Le 28 août, de Meknès, capitale religieuse du Maroc, Charles et Mardoché s'enfoncent vers l'Atlas. Cette chaîne de montagnes mythique, culminant à plus de 4000 mètres, coupe le Maroc d'ouest en est sur plus de 600 km. Plus ils s'éloignent des villes, et plus l'insécurité grandit. Presque partout règne une cupidité extrême. Vols et mensonges sous toutes leurs formes. En général, le brigandage, l'attaque à main armée sont considérés comme des actions honorables. Même chez les juifs qui remplissent scrupuleusement leur devoir envers Dieu et se dédommagent sur les humains. Les musulmans me parlent en frères à cœur ouvert. Ils se vantent d'actions criminelles et me confient des sentiments ignobles.